Main difficulty of this film is the idea is it's an endless winter, so winter is not ending. So what we need. L'idée du film tourne autour d'un hiver interminable. La principale difficulté, c'était de filmer un hiver rude, en plein changement climatique. Pour le tournage, qui a duré 4 semaines, on devait trouver un endroit avec suffisamment de neige. Nous nous sommes rendus dans un village montagneux en Turquie. Et les conditions étaient très difficiles. Il faisait moins 20 degrés. Il y avait des jours de tempête de neige très violente et nous étions obligés de rester cloîtrés à l'hôtel. Parfois, alors qu'on devait quitter la base pour les lieux de tournage, on découvrait que les routes étaient bloquées. I think it is different for every film, but for this film. Le processus d'écriture est différent pour chaque film. Pour ce film, que j'ai commencé à écrire en 2018, ce sont les sentiments et les émotions ressentis ces dernières années qui ont ressurgi. Elles ont déterminé le processus d'écriture du scénario. Je me posais la question, comment de jeunes femmes dans des pays comme les nôtres vivaient des moments de pression qui ne sont pas réellement palpables, une certaine hostilité qui a comme envahi le monde entier et touché toutes les espèces vivantes et pas seulement les humains. All nature and its creatures. I don't see this film as a kind of like a, how you say like social realistic film. Je ne vois pas ce film comme étant socio-réalistique. Je le vois comme une sorte de conte de fées. Les lieux sont réels, les sentiments et les émotions sont réels. Les personnages sont vrais, mais pour moi, c'est une exploration d'un microcosme. Car cela se passe dans un village. Tous les liens entre les protagonistes deviennent plus tangibles. Il y a une sorte de réalisme magique qui s'installe. Les personnages affrontent les gens du village, les potins et indiscrétions de la vie de groupe, et c'est ce qui donne un aspect conte de fées au film. Sometimes the shamanistic roots of our Turkish culture, sometimes some stories about nature, sometimes coffee cup reading that they think you can see the future. So I think in my film is more close to this, more magical or more fairy tale side. Yeah, Turkish cinema, it has many faces. Like in Turkey, there are a lot of. Le cinéma turc est très éclectique. En Turquie, il y a une dominance de séries télévisées et de films de box office distribués à l'international. À titre d'exemple, l'actrice principale de mon film a joué l'an dernier dans une série télévisée diffusée dans le monde entier. Il y a aussi de nouveaux réalisateurs qui ont fait leur apparition ces dernières années. Et lorsque j'ai commencé à écrire mon film, je ne pensais pas à un genre particulier de cinéma. Le plus important pour moi, c'était d'obtenir une certaine profondeur et l'adhésion du public. So I think there are different shades of Turkish cinema, and my film, I don't start to write thinking about I will make this kind of film or this kind of. This is this kind of film I like. It is something, it has a depth, it has different layers, but also it is kind of audience friendly. Il y a toujours une raison derrière le succès d'un produit. Si les séries TV turques touchent un large public, c'est qu'elles arrivent à captiver les téléspectateurs qui s'y projettent. Ma mère regarde ces séries tous les soirs, et lorsque je vais la voir, je comprends pourquoi. Il y a une sorte de plongée dans les émotions des personnages. That it looks like it is working for her, and it's interesting that it's working. The same series working for a lot of places on the earth. That means I think it is touching basic human emotions, so everybody can relate with these characters and can relate with the stories.